Good morning, Ale Eden. Les tisseurs aujourd'hui de l'Onishmat Rivka Batsava, Rachel Rachel Batsava, Chaim Eliyahu Ben Shalom Luski, Zara Bat Mazal Tov Shishportish, Yaakov Ben Blanche, Hajjaj. Si vous souhaitez vous aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra Perik Bet Mishnah. Hey! Malchikin et Asulam Minashovach Arba Amot, Kedesh Lotikpos Anemia. Vet Akotel Mina Mazrila Arba Amot, Kedesh Yehezokef et Asulam. Malchikin et Ashovach Minahir, Chamishimama. ולא יעשה אדם שובח בתוך שלו, אלא אם כן יש לו 50 אמה לכל רוח. רבי יהודה אומר, בית ארבעת קורין, מלוא שגר היונה. ואם לקחו אפילו בית רובה, הרי הוא בחזקתו. Trois cas de figure encore de restriction de voisinage, des choses que je ne peux pas faire chez moi à cause de mon voisin, de respecter sa propriété. Le premier cas de figure, c'est Marchikin et Asulamina Shovach Arba Amot. Il faut éloigner l'échelle du pigeonnier d'une distance de 4 amot, 4 coudées, 2 mètres, Kedesh Lotikpots Anemia, afin que la mangouste ne pénètre pas chez lui, ne saute pas chez lui pour aller faire des ravages dans le poulailler, dans le pigeonnier. De quoi parle-t-on? C'est simple. Mon voisin élève des pigeons. Il y a un mur de séparation entre nous. Il y a maintenant des mangoustes. Des mangoustes, c'est un sorte de, je sais pas, un rongeur, je sais pas exactement, et qui veut en théorie pénétrer chez lui pour aller se faire un petit festin de pigeons. Et il réussit pas à pénétrer chez lui étant donné qu'il y a un mur de séparation entre nous. Et on craint que maintenant, lorsque je vais moi mettre l'échelle, la mangouste va réussir à sauter sur l'échelle pour ensuite pénétrer chez lui. Donc je lui cause un dommage en mettant une échelle chez moi, étant donné que maintenant, je vais catapulter les mangoustes chez lui. Voilà pour la notion générale. Je tiens à préciser, histoire de rester fidèle à la Gemara et au Tosfot Yom Tov, que la Halakha est un peu plus compliquée que ça. On va découvrir, lorsqu'on arrivera à la Mishnah Yud Aleph, d'ici 6 Mishnayot, on va découvrir la vie de Rabbi Yossi, très originale dans tout le chapitre, et la Halakha sera fixée comme Rabbi Yossi, et à cause de ça, il va falloir ensuite remodifier et redéfinir plusieurs des lois de Arhakot Nezikin, des lois des restrictions entre deux voisins. Mais on ne va pas rallonger sur le sujet, étant donné qu'on a une Mishnah riche pour la suite. Donc, on retient en tout cas, je n'ai pas le droit de mettre l'échelle chez moi à une distance de 4 amos du mur, étant donné que grâce à moi, je risque de permettre aux mangoustes de rentrer dans le pigeonnier et manger. Deuxième partie de la Mishnah, Vet akotel mina mazrila arba amot kedesh sheyehe zokef et asulam. Il faut écarter le mur de la mazrila. Mazrila, c'est une gouttière, mais la chaune lizchol, s'écouler. Donc, 4 amot, d'une distance de 4 amot. Le voisin a une gouttière, il a son toit, donc il a son mur entre nous, à la dernière limite de sa propriété. Il a le mur de sa maison, il récupère toutes les eaux de son toit. Et il les écoule par une gouttière qui les déverse ensuite dans ma cour. Et maintenant, moi, je veux venir exploiter ma propriété, construire là-bas, dans la mesure où il n'y a pas d'interférence avec la Mishnayot précédente, il n'y a pas de problème du sol faible, comme on a évoqué dans la Mishnah d'avant. Ouais, malgré tout, on a juste un problème avec cette gouttière. Est-ce que je peux construire? Quel est le problème? Le problème, il est que, comme la Mishnah nous dit, « Kedesh yehe zokef et asulam » afin qu'il puisse dresser une échelle. Le problème, il est comme ça. Lui, il a sa gouttière, il écoule son eau chez moi. Maintenant, lorsque moi je vais construire, lui ne pourra plus venir vider. Bien sûr, la gouttière, vous imaginez bien, il y a des tas de saletés qui vont se cumuler. De temps en temps, il faut partir la vider, la nettoyer, afin que l'eau ne s'accumule pas au-dessus du toit, mais qu'elle puisse plutôt s'écouler. Et alors, le problème, il est que si je vais construire chez moi, lui n'aura plus d'accès sur sa gouttière. Et la Mishnah m'a dit, bah, tu sais quoi? Tu n'as pas le droit de construire chez toi, puisqu'à cause de toi, il ne pourra plus accéder à sa gouttière pour la nettoyer. Vous allez me dire, quelle toupée! Je ne peux pas, moi, exploiter ma propriété parce que monsieur fait couler son eau. Et vous avez entièrement raison dans cette question. Et on a ici un tremplin pour introduire une notion générale. Mais d'abord, on va le faire en deux étapes. Tout d'abord, il y a une question primaire à poser. Comment c'est possible, Bichlal, que lui fasse écouler son eau chez moi? Ouais, on a bien retenu le cas, encore une fois. On parle du cas où lui, il fait écouler son eau chez moi. Donc déjà, j'ai de la boue chez moi constamment tout l'hiver à cause de lui. Et sur ça, je notais.
Maintenant, j'ai envie, moi, de venir construire chez moi. Et la Mishnah me dit, tu ne construis pas chez toi. Parce qu'à cause de toi, lui ne va plus pouvoir monter sur sa gouttière pour faire couler son eau chez toi. Ça va s'accumuler, ça va lui faire des dégâts chez lui. Et la question, elle est, c'est quoi cette folie? Qui l'aille chez sa mère, comme on dit en bon français. D'accord? Comment c'est possible? Une histoire pareille. Alors en fait, il y a une question plus primaire à poser. C'est, comment on se retrouve dans une situation pareille que lui fait écouler son eau chez moi? Je vous garantis que si mon voisin commence à me faire écouler, à faire écouler son eau sur mon balcon, première heure, je vais lui dire, dépêche-toi de supprimer ta gouttière. Deuxième heure, je vais partir moi lui supprimer les dents tout simplement. Il n'est pas question qu'il va se mettre à faire écouler son eau chez moi. Donc comment on se retrouve dans une situation pareille où il y a son eau qui coule dans ma cour, elle me fait de la boue, elle me pourrit la vie tout simplement. Et malgré tout, sur ça on n'avait pas de problème. C'est que forcément, je lui ai cédé le droit de faire écouler son eau chez moi. On parle, d'abord, on va le faire en deux étapes. Première axiome à poser, c'est que c'est sûr qu'il est en droit de faire écouler son eau chez moi. Et donc la Mishnah va nous dire, sache que maintenant, puisqu'il est en droit de faire écouler l'eau, alors maintenant tu ne peux plus lui supprimer son droit. C'est la notion générale. Maintenant, le cas que je vous ai proposé de lui dire que je lui ai cédé le droit, ça ne peut pas être le cas exact de la Mishnah, parce que si je lui ai cédé le droit, alors de quoi on n'a pas besoin de Mishnah? Pour les gens malhonnêtes, il n'y a pas besoin d'une Mishnah, il y a besoin d'un bon bâton tout simplement pour qu'ils ouvrent les yeux un petit peu sur la vie, qu'ils arrêtent d'être bizarres. D'accord? Donc finalement, il va falloir introduire la notion des chazakot. On met notre Mishnah de côté pour 2-3 petites minutes, on introduit une notion, les chazakot, qui va être amplement étudiée quand on arrivera dans le troisième perek, perek Reskatabatim, et on explique c'est quoi une chazaka. On a souvent rapporté la fameuse règle de Amotzi Mechavero Ala Varaya. Celui qui veut faire sortir quelque chose de son prochain, à lui de rapporter une preuve. Cas type, votre jolie montre, je vous rencontre dans la rue, je dis, hey, c'est ma montre, rends-la-moi. Et vous, me dites, qui a dit que c'est à toi? Et je vais jurer qu'elle était à moi, je vais la décrire, lui raconter comment elle est exactement, c'est exactement la mienne. Et lui, il va dire, mais qu'est-ce que tu veux, cette montre-là, c'est la mienne. Même sans s'expliquer, c'est tout. Peut-être qu'il a acheté de moi, peut-être qu'elle n'a jamais été à moi. Alors, on a la fameuse règle qui va nous dire, Amotzi Mechavero, celui qui veut faire sortir un bien de son prochain, Alavaraya, à lui de rapporter ses preuves. La montre, pour le moment, c'est lui qui la détient. Moi, je viens, je prétends qu'elle est à moi de prouver qu'elle est à moi. Parce que je m'appelle Motzi Mechavero Alavaraya. C'est moi qui veux faire sortir quelque chose de mon prochain, à moi de prouver que ce qu'il a dans les mains, c'est en réalité pas lui. Mais pour pouvoir utiliser cette règle, il faut d'abord définir quelque chose de plus élémentaire. Qui appartient à qui? Quoi appartient à qui? C'est-à-dire, le cas de la montre, il est clair. On va illustrer ça de manière grossière, justement, avec le cas de la montre. Vous me dites, « Amotzi Mechavero Ala Varaya ». C'est moi qui viens faire sortir la montre. Mais peut-être que c'est lui qui fait sortir la montre. Peut-être que la montre, elle est à moi et ça lui prouve qu'elle est à lui. Vous allez me dire, mais non, elle est à lui parce qu'elle est dans ses mains. Alors, bonne réponse. Ça veut dire que là, vous êtes en train de comprendre un problème plus primaire. C'est d'abord de définir qui détient les choses. Une fois qu'on définit qui détient les choses, alors on va pouvoir dire à l'autre, maintenant c'est toi qui viens les faire sortir, prouve. Donc, pour une montre, c'est pas compliqué, il l'a dans les mains. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va faire avec une maison? Quelqu'un vient, je prête ma maison un Shabbat, par exemple, à un voisin, il reçoit sa famille, moi je suis pas chez moi, je prête ma maison, et je rentre au Shabbat, je veux rentrer chez moi, et l'autre il vient, il me dit, mais tu m'as vendu la maison? Je dis, mais ça va pas, non, la maison elle était à moi vendredi, tu me rends ma maison maintenant? Il me dit, mais non, moi j'habitais pendant tout Shabbat, c'est à moi. Alors finalement, comment vous allez définir maintenant qui détient les choses? Et là, ça va nous obliger à entrer dans un sujet très vaste, le sujet des chazakot. Définir qui détient les choses. On va se retrouver dans plusieurs situations où ça ne va plus être tellement évident de définir qui est celui qui détient, pour dire que jusqu'à preuve du contraire, à l'autre de prouver sa propriété. D'accord? C'est la notion générale des chazakot. Concrètement, maintenant, on va utiliser ça dans notre Mishnah à deux reprises. On commence d'abord avec le cas de la mazrila, de la gouttière qui est en train de s'écouler chez moi. On avait dit, si lui écoule son eau chez moi,
moi maintenant je suis astreint de ne plus pouvoir construire à proximité de cette gouttière parce que il ne pourra plus nettoyer sa gouttière. Alors là, pour comprendre cette scène, bien sûr, on ne parle pas du cas où je l'ai vendu il y a 3 semaines, le droit d'avoir une gouttière, parce que sinon, on a dit, pour les gens comme ça, il faut un bon bâton et pas une bonne Mishnah. Alors, on va dire qu'en réalité, ça fait déjà des années, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais une chose de sûre, c'est que lui, il fait écouler son eau chez moi. Et comment on s'est retrouvé dans une situation pareille? Il est évident que s'il fait écouler son eau chez moi, c'est que il a, initialement, lui, celui qui l'a vendu la maison, son grand-père, son arrière-grand-père qui lui a fait hériter la maison, c'est que forcément, il a, jusqu'à preuve du contraire, il détient ce droit de faire écouler l'eau chez moi, de droit. Et moi, maintenant, je ne peux plus venir contester ou lui supprimer ce droit. C'est la notion des chazakot. S'il écoule son eau chez moi, c'est qu'il est mourzak. On va dire qu'il est mourzak, c'est lui qui détient le droit d'écouler l'eau. Et de ce fait, je suis, moi, contraint de me plier complètement, et même de ne pas lui empêcher l'accès de la gouttière. Ça va de soi. Et comme ça, on a expliqué la Mishnah. On fait ça dans les mots encore une fois. Vet à côté de Minamazrila, il faut écarter le mur de la gouttière, arba amot, d'une distance de 4 amot. Donc si lui, il a une gouttière qu'il détient, donc, qu'il est marzik, il est mourzak jusqu'à preuve du contraire, moi maintenant, je suis astreint de ne plus construire à proximité de ce mur, que déchiyez au kefet asulam, afin qu'il puisse, lui, venir dresser son échelle chez moi, pour pouvoir nettoyer sa gouttière. Et on passe maintenant dans la troisième partie de la Mishnah, et cette notion des chazakot, elle va être nécessaire pour comprendre la dernière phrase de la Mishnah, elle va être explicite de nouveau. Pour le moment, la Mishnah vient nous parler d'un problème plus général. Il faut éloigner le pigeonnier de la ville, de l'agglomération, 50 amas, à une distance de 25 mètres de la ville. De quoi parle-t-on? Je veux élever des pigeons, je construis un pigeonnier. Si je le mets à proximité de la ville, alors on va avoir un problème, c'est que mes pigeons vont partir manger dans les champs, dans les cours, de tous les alentours. Les pigeons, c'est des voleurs. Vous allez vous mettre à faire sécher vos graines de tournesol pour manger des pépites, et le pigeon va venir, et va vouloir, mes pigeons vont venir, vont vouloir les manger. C'est pas juste, il faut les écarter de 25 mètres. Remarque, vous allez me dire, mais un pigeon, ça vaut plus que ça, 25 mètres. D'ailleurs, c'est la Gemara qui pose la question directement. Il y a une Mishnah dans Baba Kama qui nous avait enseigné d'ailleurs qu'on n'a pas le droit de mettre des pièges à pigeons. Si je chassais des pigeons, je n'ai pas le droit de mettre des pièges à proximité de la ville jusqu'à 30 ris. Shloshim ris. Ris, ça se lit, tout ça qui explique, c'est comme si ça avait écrit rous, Gematria 266. Un rous, ça fait 266. 30 ris, ça fait, je fais le calcul, ne vous inquiétez pas, ça fait 7980 amot, l'équivalent de 8000 amas, 4 km. C'est-à-dire, si je veux chasser du pigeon, je n'ai pas le droit de mettre mes pièges à pigeon à 4 km de la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des pigeonniers quelque part aux alentours dans la ville et que je vais me mettre à vous voler tout simplement des pigeons qui vous appartiennent. Vos pigeons, ils se promènent et ils reviennent chez vous. Si je les chasse, je suis un voleur, je vais vous les voler vos pigeons. Je dois nécessairement partir mettre mes pièges à 4 km de toute agglomération, de toute... Alors là, on a un problème technique. Puisqu'un pigeon peut voler à 4 km, pourquoi la Mishnah me dit de décarter le pigeonnier de 25 mètres? La Gemara répond tout simplement. Voler, se promener jusqu'à 4 km, remplir sa bidoche, 25 mètres uniquement. C'est-à-dire, si j'ai mon pigeonnier qui est ici, mon pigeon, il ne va pas partir manger chez son copain à 1 km. Il va manger tout ce qu'il a dans les alentours ici, à une distance de 50 amas, 50 coudées uniquement, 25 mètres. Et de ce fait, dès que j'écarte 25 mètres de tous les voisins, alors j'ai le droit d'avoir mon pigeonnier, on ne va plus se soucier qu'il va partir voler les graines des autres. Il va aller se promener, mais il ne va pas remplir son ventre, il ne va pas venir manger. Ça, c'est fait pour la première partie. Il faut éloigner le pigeonnier de la ville, 50 amas. Ensuite, la Mishnah continue et nous dit « Velo yaseh adam shovach betor shelo, ela imken yeshlo chamishim ama lekol ruach. » Un homme n'installera pas un pigeonnier dans sa propriété uniquement s'il a 50 amas à la ronde autour du pigeonnier. C'est-à-dire, supposons que j'ai un très grand terrain, j'ai un champ gigantesque qui fait 100 mètres sur 100 mètres par exemple,
Est-ce que j'ai le droit maintenant d'avoir un pigeonnier à l'intérieur de mon champ? Réponse, oui, puisque j'ai 50 amas au minimum, puisque j'ai 100 mètres. J'ai 200 amas. Donc lorsque je vais mettre mon pigeonnier au milieu, je vais avoir 100 amas tout autour, c'est bon. Par contre, si j'ai un champ de 90 amas, lorsque je vais vouloir le mettre au milieu, on va se retrouver qu'il va avoir uniquement 45 amas jusqu'au voisin, je n'ai plus le droit d'avoir le pigeonnier. Vous allez me dire, c'était évident, c'est la répétition directe du premier cas de la Mishnah. On t'a dit d'écarter 50 amas d'un côté, et si tu es entouré de deux côtés, tu vas l'écarter de 50 amas de chaque côté. Ce n'est pas la peine de renseigner. Sur ça, on a un Nimouké Yosef qui vient et qui nous dit, ça rapporte dans le Sot Yom Tov, l'importance de cette Mishnah est de nous dire, même si dans mon propre champ, il y a déjà plein de graines, donc finalement, si mon pigeon il a faim et qu'il veut manger, il n'a qu'à manger de ce qu'il a de chez moi, on aurait pu croire que cette fois-ci, si... Là, c'est pas de la bande qui me sépare du voisin. J'ai déjà moi-même mes propres graines. On aurait pu croire que mon pigeon ne va pas partir se nourrir chez le voisin. La Mishnah vient me dit, malgré tout, jusqu'à 50 amas, le pigeon va et se remplir la bidoche, même si tu as plein à lui donner. C'est clair? Donc finalement, on retient la notion uniquement, c'est le même principe. D'aucune manière, tu n'as pas le droit d'installer un pigeonnier si tu ne t'écartes pas d'au moins 50 amas, 25 mètres de tous les voisins, même si tu as toi-même des graines à proposer à tes pigeons. On continue la Mishnah avec l'avis de Rabbi Yehuda. On a dit, selon le premier avis, d'écarter de 50 amas. Rabbi Yehuda vient et nous dit, non, pas 50, beaucoup plus. Bet Arba'at Korin, une distance de l'équivalent de 4 cours. Un cours, on va expliquer dans quelques secondes, ça fait l'équivalent de 273 amas, divisé par 2, ça fait 135 mètres, 136 mètres. Et de Bet Arba'at Korin, écartez ça de 4 cours, Melo Sheger Ayona, l'envol d'un oiseau. De quoi parle Rabbi Yehuda? Bet Arba'at Korin, on ne va pas tellement rallonger pour expliquer pourquoi c'est comme ça. On a un problème technique, c'est que le cours, c'est un volume, et on est en train de parler de surface, c'est un problème fréquent, mais en réalité, parce qu'on parle d'une surface nécessaire pour semer une telle quantité de graines. Concrètement, un bet CA, c'est 50 sur 50 amas. Bet court, un cours, c'est 30 amas. Donc si vous faites maintenant 30 fois 50 sur 50, et ensuite en racine, ça va faire l'équivalent de 273 plus amas. Donc ça fait l'équivalent, de, comme ce qu'on a dit, 274 amas, 136. Si je ne me trompe pas, 136, 137 mètres. Maintenant, pourquoi Rabbi Yehuda demande une distance plus grande? C'est parce qu'il pense que l'envol d'un oiseau, c'est-à-dire... On a dit, un oiseau, en fait, on a trois distances pour les oiseaux. Pour le moment, on a vu deux extrémités. Partir se promener, l'oiseau se promène jusqu'à 4 km autour de son pigeonnier et rentre chez lui. Ça, c'est pour se promener. Remplir son ventre, c'est jusqu'à 50 amas pour la vie de Tanakama. Rabbi Yehuda vient et nous dit, non, tu fais 273, 137 mètres. C'est quoi 137 mètres? C'est l'équivalent d'un oiseau, lorsqu'il s'envole, un envol d'entrée. Sans s'arrêter, un petit coup de plane, il s'envole haut, il se laisse planer, il arrive jusqu'à 273 mètres, pas plus, mais pas moins non plus. Je demande que tu t'écartes de ton pigeonnier jusqu'à ce que les oiseaux, dans un envol d'un coup, ils se remplissent en fait, selon Rabbi Yehuda, ils se remplissent le ventre jusqu'à ces 273 mètres, ces 273 amas. D'accord? C'est la distance d'un envol. Selon Tanakama, il est vrai que l'envol de l'oiseau fait 273, mais en tout cas, il ne se soucie pas d'aller chercher à manger plus loin s'il peut avoir à manger à proximité. Et maintenant, on arrive maintenant sur la dernière partie de la Mishnah. Vimlekacho afilo betrova areu becheskato. On va reparler de la chazaka. On traduit d'abord. S'il a maintenant acheté un pigeonnier, afilo betrova, même s'il n'était écarté des voisins que d'une distance d'un bet rova à cave, c'est l'équivalent, c'est rapporté ici dans le Tiferet Israël, 10 mètres, 10 amot, 5 mètres. Donc, malgré tout, Aru Bechaskato, il pourra continuer à le détenir. De quoi on parle? On parle que Reuven vend son pigeonnier. Maintenant, je rentre chez Reuven et je réalise que son pigeonnier, il est à 5 mètres. 4 mètres du voisin. Les oiseaux, constamment, ils font que de s'envoler et de partir manger chez le voisin. Est-ce que j'ai le droit d'acheter un pigeonnier pareil? Ou bien non, on va dire comme ça. J'ai acheté le pigeonnier. Et ensuite, le voisin vient et me dit, tu sais,
Réhouven, lui, c'était une crapule, je m'étais disputé avec lui déjà pendant des années, il ne voulait pas écarter le pigeonnier. Maintenant, je te demande d'écarter toi le pigeonnier. Mishnah Meforeshet, j'écoute dans le cours de Mishnah Yomit que tu n'as pas le droit d'avoir ce pigeonnier chez toi. Eh bien, il faut bien écouter le cours de la Mishnah Yomit, parce que la Mishnah nous dit, Areu Becheskato, il pourra continuer à le détenir. De quoi on parle? C'est la même notion des Chazakot. On va lui dire, écoute, mon ami, t'as un problème. Ouais, le cas, encore une fois, le cas, il est clair. On parle que il y avait un vendeur, Réhouven, qui avait un pigeonnier, qui n'a pas du tout respecté, apparemment, en l'état, il n'a pas respecté les lois de Archakot Nezikin, il n'a pas écarté son pigeonnier. Moi, je l'achète. Réhouven disparaît de la circulation, il est parti refaire sa vie en Amérique. Et maintenant, les voisins viennent et se plaignent et me disent, supprime ton pigeonnier parce que tu ne respectes pas la halakha. Et là, Mishnah vient me dire, tu sais quoi? J'ai le droit, malgré tout, de maintenir mon pigeonnier malgré la courte distance qui le sépare du voisin. Pour quelle raison? C'est la notion des chazakot. On va rétorquer à tous ces voisins qui viennent se plaindre et on va leur dire, écoutez, vous n'êtes pas des pigeons. Vous avez un code civil qui vous protège. Comment c'est possible que Réhouven, que ce fameux Réhouven, avait lui-même un pigeonnier et que vous l'avez laissé? Ça veut dire quoi? Qu'il ne voulait pas respecter la halakha? Quand il y a un voisin qui vient et qui se met à me squatter ma maison, halakha, il veut respecter, il ne veut pas respecter, religieux, pas religieux, je prends un bâton, je lui tape dessus et je lui dis dégage, j'appelle la police. Donc comment c'est possible que tu l'as laissé à lui, avec son pigeonnier chez lui, et pendant des années il l'avait, personne ne s'est plaint. Moi je commence à l'acheter, tout le monde vient et me dit « t'as pas le droit de l'avoir, et pourquoi avec lui vous vous plaignez pas ?» On va dire que forcément, Chazaka, si lui avait le pigeonnier devant votre tête et personne ne bronchait, c'est que c'était lui le marzik, il était marzik, il détenait un droit de l'avoir. Soit parce que vous lui avez cédé le droit, soit parce que vos arrière-grands-pères, les vendeurs de votre maison lui ont cédé le droit. Puisqu'en l'état, il avait ce pigeonnier à proximité et personne ne se plaignait, c'est que lui détenait, jusqu'à preuve du contraire, c'était lui le mourzak. C'était lui qui détient ce droit. Et vous venez être motzi mechavo, vous venez prétendre qu'en fait il n'était pas en droit. À vous de prouver qu'il n'était pas en droit. Jusqu'à preuve du contraire, lui il est mourzak. Et puisque lui il est mourzak, moi je viens mikoar, je viens par le biais de mon vendeur et je dis jusqu'à preuve du contraire, je suis moi aussi mourzak. C'est clair ? On fait à présent le Barthénora. Matriken et Asolam, il faut écarter l'échelle. Mi, Sheyashlo Shovar Shalionim Bechazero, celui qui a un pigeonnier dans sa cour. Somer, Samuch Lekotel Sheben Chatzerot, proche, à proximité du mur qui sépare les deux cours. Obachavero Lamin Sulam, et son ami vient pour dresser une échelle, et Tselakotel, à proximité du mur. Tsarich Lachik Osolam et Shovar Harbamot, il doit nécessairement écarter son échelle. Du pigeonnier d'une distance de 4 amot, 4 coudées, qui déchirotique pas de sa ennemia afin que la mangouste ne bondisse pas chez lui. C'est quoi une mangouste? Hi chayak tana. C'est une petite bête, petit mammifère, minasulam, donc elle va sauter minasulam la chauvar, elle va sauter depuis l'échelle jusqu'au pigeonnier, vetaharog et tayonim, elle va tuer les pigeons, si ça vous intéresse. Le Yachin, le Tiferet Israël, rapporte le mot en yiddish. Ça me fait rigoler, c'est pour ça que je vous le dis. Nemiya, la mangouste se traduit en marder. Vous réalisez bien comment ça devient mardier. D'accord, ouais, c'était poli. Et donc, c'est ça la mangouste en yiddish. Marder. C'est la zut. Mazrila, c'est quoi Mazrila? C'est la gouttière. Mutsinor Gadol. C'est un grand tuyau. Amunar Alorech Akotel qui est placé le long du mur. Au Meme Agag Zavim le Tocho. Et les eaux du toit s'écoulent par son intermédiaire. Ve'im Kotlo Mehalech Alpene Chatser Chavero. Et si maintenant il veut construire ce mur, tout au long de. Il veut longer finalement le mur, la cour du voisin. Ou Mazrila Alav, et il y a au-dessus une gouttière, Tsarech Lachik Memena. Il devra nécessairement s'écarter d'elle, de cette gouttière, il va livrer notre côté le Bessita si vous construisez un mur à proximité. Arba Amot, Kedesh Yezokef et Asolam, on t'a dit tu lui laisses une distance de 4 Amot, 4 coudées, afin qu'il puisse dresser son échelle. La Alot Ultaken Mazrilato, monter, réparer, ou réparer sa gouttière, les Nakota Meafar, pour la nettoyer de la terre, ou Mitzrorot et des petits cailloux à nos flimba qui pourraient tomber dedans. Ou Meagvin et Kiloach Amaim, et que toutes ces impuretés empêche l'eau de s'écouler.
mais Akvim, ils empêchent le kilouach hamaim, l'eau qui s'écoule. Marikin et Ashovach Minahir, il faut écarter le poulailler de la ville. Shayonim mafsidim zirone à Gagot. Il y en a qui disent Gagot, je crois qu'il y en a qui disent Ginot. Parce que les pigeons font perdre les graines des Gagot qui sont sur les toits ou bien Ginot qui sont dans les jardins. S'ils sont sur les toits, on parle des gens qui font sécher les graines. Ela imken yesh lo chamishim amah, sauf s'il a 50 amas, une distance de 50 amas. Que les pigeons ne fassent pas perdre ce qui est dans la propriété du voisin. Bet arba'at kourin, selon la vie de Rabbi Yehuda, il faut les écarter. Bet arba'at kourin, une distance de 4 cours. Bet kor, l'école roar, qu'il y a un corps à chaque, de chaque côté. Vakor shloshim se'in. Le corps, c'est un problème dans le Bartenora. C'est que le corps, c'est un volume de 30 se'in. Vous allez me dire, mais quel rapport entre des volumes et des superficies, il faudra expliquer comme ça le dit, c'est fait l'équivalent de 273 amot. VN à la fin n'est pas établi comme Rabbi Yehuda. Maintenant, l'avis de Rabbi Yehuda qui nous disait d'écarter ça de bet kor, pourquoi? Parce qu'il pensait que c'est Melo Sheger Ayonim, un envol plein d'un oiseau. Merutsat Prichatam Bepa'am Achat, ce qu'un oiseau prend d'un envol et arrive à cette distance. Merutsat Prichatam, il est poréach, il s'envole. Merutsa, ce qu'il a couru, donc ce qu'il court dans un envol, Bepa'am Achat, en une seule fois. Vim Lekacho, maintenant, c'est sur le dernier cas de la Mishnah. Si quelqu'un vient et achète ce pigeonnier, Kmot Shehu Imakarka, tel quel avec le terrain. J'achète le pigeonnier et le terrain. Il me le vend tel quel. Afilo Enlo Kol Svivav Ela Betrova Akav, même s'il n'a à la ronde qu'un misérable Betrova Kav, un petit quart de cave. Vous vous rappelez du escalavudo, on ne va pas manger, ça fait déjà une mission un peu trop longue. Mais en tout cas, ça fait que c'est une courte distance. Arou Becheskato, Shehu, Shehare, Hurzak, Bohari, Shonkar. Étant donné qu'il continue à détenir ce droit, jusqu'à preuve du contraire, pourquoi? Shehare, Hurzak, Bohari, Shonkar. Car son vendeur, le précédent, avait été lui-même Hurzak de ce pigeonnier. Ainsi, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Asakha, Koltou, Selah.